Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Bienvenue pour la première paracha. Bereshit, donc la Genèse en hébreu, hein, au commencement. Eh bien, c'est bien parce qu'on va commencer, un cycle d'études bibliques toute l'année. Et aujourd'hui, je tenais à faire une petite étude pas trop compliquée, pas trop simple non plus, mais disons un petit peu, je ne sais pas comment dire, poétique, sur le chiffre 7. Mais ce chiffre 7 va nous révéler certaines choses, et notamment ce chiffre 7 est un des indices de l'identité du Messie. Donc, pour le titre de la paracha d'aujourd'hui, c'est au commencement, hein, Bereshit, au commencement le Messie. C'est le titre de la paracha d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire quelques versets de la paracha et on va s'arrêter sur ces versets pour découvrir certaines choses. Donc, nous allons lire, bien sûr, le chapitre 1, versets 1 et 2. Comme ça, on commence au commencement. C'est une bonne chose de commencer au commencement. Nous allons lire le verset, chapitre 1, verset 14. Et chapitre 2, versets 1 à 4. Chapitre 1, versets 1 et 2. J'utilise la version seconde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, tohu bohu en hébreu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 1.14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Chapitre 2, 1 à 4, la fin de la création. Chapitre 2, je l'ai perdu, je vais essayer de le retrouver, il est là. C'est une très vieille Bible, elle a 40 ans. Elle tombe en pièces, mais c'est ma Bible. Donc, ainsi, furent créés, achevés, les cieux et la terre de toutes leurs armées. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Voilà. Alors, on va vite souligner quatre points importants. On va peut-être pas les développer pour cette paracha-ci. Donc, cette étude concerne l'identité du Messie à partir de la Genèse, chapitre 1. Et nous allons voir où ça va nous mener, hein, bien sûr. On va souligner donc au chapitre 1, verset 2, Tohu vebohu. Informe et vide, si je me souviens bien de ce qui fait marquer dans la seconde. Le tohu bohu, Shuraki, dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, mais Shuraki précise, mais l'Esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Donc c'est un petit détail qui fait beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup pour nous, on verra pourquoi plus tard. Le deuxième point, c'est au chapitre 1, verset 14.
Dieu place des astres dans les cieux pour instaurer. Dans la seconde, on ne le voit pas, mais on verra plus tard où on trouve ce texte, pour instaurer finalement un calendrier, hein, pour les rendez-vous, pour les jours de fête. On verra dans quelle Bible on peut voir ça. C'est pour ça que c'est important de connaître un peu l'hébreu, hein, même beaucoup. Au plus on connaît, mieux c'est. Pour voir les choses qui nous manquent dans nos Bibles. Le troisième point, c'est au septième jour, hein, chapitre 2, verset 4. Au septième jour, le nom de Dieu devient l'Éternel Dieu. Durant toute la création, le nom de Dieu, c'est Elohim, bien sûr en hébreu. Mais la création terminée, Elohim devient Adonai Elohim, l'Éternel Dieu. L'Éternel, c'est Yud-Heh Vav-Heh. Et non pas le Seigneur, comme certaines Bibles traduisent. Ici, c'est bien le tétragramme qui est inscrit. Mais ça nous donne déjà une petite notion d'éternité. Hein, et comme par hasard, c'est pour le septième jour, donc repos, éternité. Hein, on va développer tout ça après. Quatrième point que je n'ai pas lu. C'est au chapitre 3, verset 18, mais ça va nous servir pour plus tard, ce verset. À cause de la chute de l'homme, donc à cause du péché, nous devons travailler dur, car la terre produit des ronces et des chardons, et la femme accouche avec douleur. J'ai mis douleur avec S, malheureusement. Mais bon, nous les hommes aussi, on a du mal, hein. On travaille dur. À la sueur de la narine, pas la sueur du front. C'est ce que le texte dit en réalité. Alors, on va commencer l'étude maintenant. Et cette étude, comme je vous l'ai déjà dit, va nous faire découvrir l'identité du Messie dès le commencement. Nous allons donc étudier le chiffre 7, bon, on ne va pas le décortiquer dans tous les sens, mais on va l'étudier un petit peu, qui est un indice de l'identité du Messie et sans aucun doute, la signature ou le sceau de Dieu pour la création. Donc, nous allons voir ce qu'il nous raconte ce chiffre 7. Alors, ben pour découvrir déjà le chiffre 7 dans le récit de la création, nous avons besoin d'une Bible en hébreu. C'est pour ça que j'ai écrit la première phrase en hébreu de la Bible au tableau. C'est pas très droit, mais bon, c'est quand même plus ou moins juste, quoi. Donc on va essayer de s'en sortir avec ça. Donc il nous faut une Bible en hébreu. Pourquoi ? Ben vous allez voir pourquoi. Parce que eh bien, la Bible en hébreu, bien sûr, une fois de plus, elle va nous révéler plusieurs secrets. Parce que déjà, ben, lorsqu'on lit la première phrase de la Bible en français, ben, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, vous allez voir quelle est la différence par rapport à l'hébreu. Alors, je viens de lire la première phrase en français. Si on veut découvrir le chiffre 7 là-dedans, on ne peut pas le voir. Et comment on va découvrir le chiffre 7 dans la première phrase de la Bible en hébreu ? Bien, c'est simple. Si nous comptons le nombre de mots, nous verrons qu'il y a 7 mots en hébreu. Bereshit bara Elohim, et hashamayim, ve et haaretz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce qu'on peut déjà constater, c'est que la première phrase de la Bible est composée de 7 mots. Je laisse le temps aux élèves de noter. Comme ça, moi, je bois un petit coup. Malheureusement, je suis enrhumé aujourd'hui. Voilà, ça va aller. Donc, la première phrase
est composé de sept mots. Cette même phrase est composée de 28 lettres. Alors, on sait tous compter, 28 lettres, c'est 4 fois 7. Hein? C'est aussi un multiple de 7. Et cette phrase touche beaucoup mon cœur, parce que il y a 28 lettres dans la première phrase et 7 mots. Je suis né un 28 et je suis né un Shabbat. Donc quand je lis la première phrase de la Torah, ça me rappelle le jour de ma naissance. Je suis né un Shabbat, à midi 20 il paraît, et j'ai réclamé des spaghettis à maman. Donc voilà, voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Donc 28 lettres en hébreu, 4 fois 7. La première phrase de la Bible est bien sûr parfaitement divisée en deux. Elle est divisée en 2 fois 14 lettres. 2 fois 14 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que nous dit cette phrase? Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Donc on voit que ces 28 lettres sont bien ordonnées et bien divisées en deux. Les 14 suivantes nous disent que donc Dieu créa le ciel et la terre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, 2 fois 14, et on sait bien, enfin certains le savent, certains ne le savent pas, c'est pour ça que je vais vous l'expliquer, que le chiffre 14, 2 fois 7, est un chiffre spécial en hébreu, parce que la gématria du mot « main » en hébreu « yod », c'est 14. Qu'est-ce que c'est la gématria? Oui, c'est « yad » en hébreu, la main. Hein? « Yad ». Le « yod » représente le chiffre 10 et le « dalet » représente le chiffre 4. Bon, j'ai déjà expliqué c'est quoi la gématria dans notre cours passé, donc, ou allez voir sur Internet, vous allez comprendre très facilement. Donc, le chiffre 14 en hébreu, ben, la gématria, c'est ça qui est bien, c'est qu'un chiffre peut représenter un mot, et un mot peut représenter un chiffre. Nous avons 14 phalanges dans une main, et donc la main est représentée par le chiffre 14 en hébreu. Ce qui est magnifique, c'est que ici, pour la création, bien, nous voyons deux mains, puisqu'il y a deux fois le chiffre 14. Ce qui pourrait nous faire voir d'une façon poétique, nous voyons les deux mains de l'Éternel qui façonnent le monde. Alors, autre chose, donc les deux mains de Dieu, ce n'est pas les miennes bien sûr, qui façonnent le monde. Alors, puisque nous parlons de Gématria, voyons aussi ce que nous dit le mot bara, le mot créé en hébreu. Ben, vous allez avoir un exemple de gématria en direct. Hein? Je vais vous montrer c'est quoi la gématria. Donc bara, ici, c'est le mot créé. Bara, le bête est égal au chiffre 2, le Rech 200 et le Aleph c'est le 1. Total 203. Si nous divisons 203 par 7, ça nous fait 29. Divisé par 7 égale 29. Donc le mot créé en hébreu est aussi un multiple de 7.
Voilà déjà quelques découvertes et quelques secrets cachés dans la première phrase de la Bible en hébreu qu'on ne peut pas voir dans nos Bibles à nous. Et le mot bara créé en hébreu est un multiple de 7. Donc c'est pour ça que je disais que le chiffre 7 dans la création, c'est un peu la signature de Dieu. C'est Dieu qui signe sa création par 7. Et c'est aussi le sceau, comme quoi que c'est lui qui a créé le monde. Et rappelons-nous le dernier cours que j'ai donné, que j'avais insisté sur le fait que si nous observons le jour du Shabbat pour nous reposer, comme Dieu l'a fait, le septième jour, eh bien, nous rendons un témoignage au monde entier que Dieu a créé le monde en 7 jours. Voilà pour la première phrase de la Bible. On va continuer. On va compliquer un peu l'histoire. Donc je vous parlais du chapitre 1, verset 14. Si je lis dans la seconde, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Si je lis dans la Chouraki 1, 14, Elohim dit, des lustres seront au plafond des ciels pour séparer le jour et la nuit. Ils seront pour les signes, pour les rendez-vous, quelque chose qui est absent dans nos Bibles. Donc, ils sont pour les signes, les rendez-vous, les jours de l'an. Et si je lis dans la Bible expliquée ou la français courant, Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes. Chouraki dit les rendez-vous. Nous savons c'est quoi les rendez-vous dans la Bible, puisqu'il y a aussi la tente du rendez-vous. N'oubliez pas que la tente du rendez-vous, c'est le tabernacle où se déroulent certaines fêtes bibliques. Hein, d'autres seront à l'extérieur du tabernacle, mais dès la création, nous voyons que Dieu prévoit les fêtes bibliques qui sont ses fêtes à lui. Donc, justement, c'est très important aussi, parce que nous avons vu dans Daniel que l'antimessie voudra changer ce calendrier que Dieu a créé et qu'il voudra changer aussi les jours de fête que Dieu a instaurés depuis la création. Donc c'est très important de connaître tout ça. Le mot en hébreu pour les fêtes, c'est ou Moadim. Amoadim. Je regarde. Ou les Moadim. Donc, il y a un mot en hébreu, dans la Bible en hébreu, qui... Oui, là, vous ne m'avez plus vu. Il y a un mot en hébreu qui dit qu'il y a les fêtes qui sont prévues dès le commencement. Donc, c'est quoi ces fêtes? Lévitique 23 nous en parle. Mais les fêtes, c'est une fête tous les 7 jours, le Shabbat. Donc, une fête tous les 7 jours. N'oubliez pas qu'on étudie le chiffre 7. Hein? Une fête tous les 7 jours, plus 7 fêtes par an. Donc, on voit que Dieu tient à ce chiffre 7. Une fête tous les 7 jours, 7 fêtes par an. Deux de ces 7 fêtes durent 7 jours. C'est lesquelles? Ouais, Sacha. Pessah et Sukkot, dans l'ordre. C'est bien, Sacha. Donc, deux de ces fêtes durent 7 jours. Le pain sans levain, qui est juste après Pessah. Hein, c'est le pain sans levain qui dure 7 jours. Et la fête de Sukkot, qu'on peut considérer comme une fête messianique.
puisque nous faisons des tentes, que ces tentes n'ont pas de porte, et que nous aurons des habitations sans porte lorsque le Messie régnera sur la terre, puisque la méchanceté aura disparu de la face de la terre. Donc Soukhot, on peut la considérer comme une fête des temps messianiques. Hein? Donc il y a deux fêtes qui durent 7 jours. On a aussi le jubilé, Shaul. On a aussi le jubilé, hein? Le spécialiste du jubilé, c'est Shaul. Dans la Torah, qui est 7 fois 7 ans. Sans oublier qu'on compte l'Homère aussi 7 fois 7 jours, le comptage de l'Homère, à partir du premier Shabbat. Du lendemain du premier Shabbat. Du lendemain du premier Shabbat de Pessah. C'est un peu compliqué. Non, c'est pas compliqué. Et donc, il y a l'Homère, 7 fois 7 jours, le Jubilé, 7 fois 7 ans, et la Shemitah, le repos de la terre, hein, c'est une fois tous les 7 ans aussi. La terre doit se reposer, c'est ça la Shemitah. Donc voilà pour ce qui concerne les fêtes de l'Éternel et le chiffre 7 dans la création. Alors, aujourd'hui, nous n'étudierons pas le Shabbat. Les études sur le Shabbat ont été données. Je pense que c'est suffisant. Aujourd'hui, on va quand même s'arrêter sur l'épisode du Shabbat, hein, du septième jour. On va voir qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le texte au sujet du septième jour. Donc le septième jour, c'est le jour du Shabbat. Eh bien, nous avons vu au chapitre 2, verset 4, que le mot « éternel » vient faire son apparition au lieu de simplement « Dieu ». Dans nos Bibles en français, c'est « l'éternel Dieu ». Le Seigneur Dieu, c'est pas tout à fait exact parce que l'éternel est écrit en hébreu par « Yud-Heh-Vav-Heh », le tétragramme qui parle bien d'éternité. On a déjà étudié dans le cours d'hébreu pourquoi Yud He Vav He signifie le mot éternel. Donc, ce mot d'éternité, cette notion d'éternité apparaît pour la première fois dans la Torah, dans la Bible, pour le septième jour. Et le septième jour, c'est l'ombre des choses à venir. Rappelez-vous Ésaïe 66, 20, je pense. Rappelez-vous. Zachor. Donc, le Shabbat, c'est l'ombre des choses à venir. Et non pas, comme le disent certaines traductions de façon erronée, c'était l'ombre des choses à venir. C'est faux, ce verset est faux. Mal traduit, volontairement ou involontairement. Involontairement, je ne sais pas. Donc, on revient à nos moutons. L'Éternel fait son apparition, le mot éternel, pour le septième jour. Et le septième jour, l'Éternel, il le consacre. Consacrer, ça veut dire qu'il le met à part pour lui. Il le consacre, donc on voit que c'est un jour spécial par rapport aux autres jours. Hein. Il le consacre et il le met à part et il le bénit. Alors, on va faire un petit peu d'alphabet hébreu. Il le consacre, il le bénit. Le septième jour, hein, pour tous ceux qui étudient la Bible, tout le monde le sait, que le septième jour deviendra le quatrième commandement. Dieu demande à toute la création de se reposer, aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux esclaves, aux animaux, et même la terre doit se reposer, on l'avait plus haut, une fois toutes les 7 ans. Donc on voit que pour Dieu, le Shabbat, le septième jour, hein, j'insiste sur le septième jour, tout le monde doit imiter Dieu. Dieu s'est reposé le septième jour, nous aussi, on doit se reposer le septième jour. Dieu nous fait ce cadeau merveilleux. Hein. Et donc, plus tard,
Ce septième jour deviendra le commandement. Et le commandement qui nous demande de sanctifier le septième jour commence par la septième lettre de l'alphabet, Zayin, puisque c'est Zachor et Yom HaShabbat Lekadcho. Donc c'est quand même, on voit là, hein, petite merveille de la Torah, le commandement qui nous demande d'observer, de sanctifier, pardon, le septième jour commence par la septième lettre de l'alphabet. Et le Zayin, sa valeur numérique, c'est le 7, forcément. Lorsque nous lisons le récit de la création, le septième jour est différent, comme on vient de le voir. En effet, les six premiers jours, nous lisons qu'il y a un soir et un matin dans le récit de la création. Chaque jour, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième jour. Le septième jour, le récit de la création est différent pour le septième jour que pour les six premiers jours. Le septième jour, on ne parle pas de nuit, mais seulement de jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai lu, on fait quatre fois, il y a quatre fois le mot jour, mais le mot nuit n'apparaît pas pour le septième jour. C'est un peu déjà une prophétie. J'en dirai pas plus. Hein? Donc, le septième jour est tout à fait spécial, il est différent des autres, puisque le mot nuit n'apparaît pas dans le récit de la création. Alors, j'ai une petite question pour les élèves ici aujourd'hui, j'espère qu'ils vont trouver, sinon je vais faire comme Shammai. De temps en temps, j'aime bien faire Shammai. Non, c'est une blague. Hein? Non, pas tout à fait. Si je vous dis, à quoi pensez-vous si je vous dis le chiffre 7 et le mot lumière? Bon, Ezra, tu passes ton tour. Hein? Quoi? Non. Avec, tu sais, le chandelier et... Ah. Chaque... Oui. Ça. Voilà, c'est bien. Amandine a trouvé. Ashkedia a trouvé. C'est le chandelier. Puisque le chandelier possède sept lampes, hein, qui produit de la lumière, bien sûr, dans le tabernacle, 7 jours sur 7. Je peux faire le... On fera le dessin pour le prochain cours. Donc, le mot lumière et le chiffre 7, bien sûr, nous fait penser à la menorah. La menorah, c'est le chandelier. Cette branche qui se trouve dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Comment écrit-on menorah en hébreu ? Faut pas me le dire, je vais vous le montrer. Mem nun vav resh he. Donc, mem nun vav resh he. Alors, nous allons faire encore un petit exercice pour terminer ce cours de Gématria. Alors, 40, 50, 6, 200 et 5. Je calcule très vite, ça fait 301. Qui est, je pense, si je ne me trompe pas, 43 fois 7. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompé. C'est bien ça. Donc, encore une petite merveille de la Torah, encore un petit cadeau concernant le chiffre 7. Le mot menorah, qui représente le chandelier à 7 branches, a une guématria de 301, qui est un multiple de 7.
Alors, ce qu'on peut déjà avoir comme approche ici, hein, comme apéro, pour la suite et pour le deuxième cours, c'est que le septième jour est donc un jour de lumière, de repos, un jour paisible. Dans le mot paisible, on trouve le mot paix. Hein. Je ne sais pas si ça a quelque chose à voir, mais sûrement. Donc un jour paisible, un jour de paix, un jour de calme, tranquillité, hein, pas de stress. Ça nous donne une image des choses à venir. Hein. Nous savons tous que la paix, c'est la vie, et que la guerre, ben, bien sûr, c'est le contraire, c'est la mort. Hein. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme le sixième jour, et après il lui a dit, ben voilà, tu viens d'être créé, tu dois être fatigué, je te place dans le jardin d'Éden pour que tu te reposes, pour faire Shabbat. Donc il ne nous restait plus qu'à aller cueillir quelques fruits, les bons, pour faire Shabbat. Dieu a créé l'homme et il a fait un jardin exprès pour lui. Le septième jour, il l'a mis dedans. Merci Seigneur. À la prochaine fois pour la suite de ce cours. Amen. Amen.